Les postures sont la première chose à laquelle on pense quand on parle de yoga, en tout cas quand on débute. Je vais donc vous partager les 5 points qui me semblent refléter le plus justement la place des postures au sein de notre pratique yogique. Les postures, qui sont nommées les asanas en yoga, sont en réalité le troisième membre du yoga. Ça veut dire qu'il y a deux membres qui précèdent les asanas. Et ensuite, on a nos 5 autres membres qui suivent les asanas et qui vont globaliser la pratique yogique. Chaque membre, en fait, est nécessaire pour l'application du suivant, on va dire, d'une certaine façon. Donc, pour arriver aux asanas, c'est vrai qu'il y a deux points qui sont prioritaires, primordiaux, on va dire, dans notre pratique. Donc, concrètement, la pratique du yoga ne se réduit pas, ne se limite pas aux postures. C'est bien plus global, mais aujourd'hui, on va rester focalisé sur nos asanas pour parler un peu plus en profondeur de la place qu'ils prennent au sein de cette pratique. Deuxième point, les postures permettent l'activation de l'énergie vitale à l'intérieur de notre corps, plus communément appelé le chi ou le prana, et l'activation des différents centres énergétiques de notre corps qui gèrent nos facultés humaines, plus communément appelés les chakras. Troisième point, la corrélation entre les postures et notre état d'être. Ce qui est intéressant en yoga et au travers des asanas, c'est de pouvoir relier certaines postures, certains enchaînements avec des particularités qu'on pourrait rencontrer dans notre vie, des situations de vie. Clairement, on peut constater que quand on manque d'équilibre, de stabilité, il s'agit en réalité d'un manque de stabilité et de focus de l'esprit. C'est l'esprit qui divague, l'esprit qui est trop submergé par plein de pensées. Et il est très difficile de tenir en posture d'équilibre quand on n'a pas un esprit qui est serein et calme. Également, toutes les postures qui permettent l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'espace thoracique, sont des postures qui vont nous aider à appréhender les situations de nos vies d'une manière beaucoup plus ouverte, en étant avec une certaine compassion, une certaine ouverture d'esprit, ouverture aux autres, pour pouvoir gérer au mieux chaque situation. Quatrième point, les mots physiques sont le résultat des mots qu'on ne pose pas sur nos ressentis. Nos traumatismes, nos peurs. C'est ce qui est appelé la somatisation. Une pratique posturale quotidienne va donc nous aider à identifier les zones de blocage et à les relier avec l'esprit. Par exemple, les problématiques reliées aux genoux vont nous parler de notre mobilité et aussi de notre capacité à nous incliner, à lâcher prise, à poser le genou par terre et à accepter ou à rendre les armes d'une certaine façon. Les douleurs ou blocages au niveau du dos vont nous parler de tout ce qu'on porte, de la surcharge qu'on prend sur nos épaules, des responsabilités qui sont peut-être trop présentes dans notre vie. Et cinquième point, la souplesse, l'affinage du corps ou le développement des muscles sont les résultantes d'une pratique régulière des asanas plutôt qu'un objectif à atteindre. Alors, pas de pression quant à votre condition physique et surtout gardez en tête que les raisons d'un excès de poids, d'un manque de souplesse ou d'un mal-être général au niveau corporel prennent souvent naissance au-delà du corps physique. Les postures, les asanas ne se limitent donc pas à l'apparence du corps physique, mais elles permettent une conscience élargie de notre état psycho-émotionnel tout en revenant à cet équilibre significatif de l'union corps-esprit. Baby,